tolérance, etc. Ces mots, ces phrases, nous les entendons de plus en plus et ce n'est pas acceptable. Crions notre indignation, notre colère. Nous, les retraités, exigeons une hausse significative des retraites, en particulier pour les basses retraites. Un minimum de pension au niveau du SMIC, 1 700 euros. Une nouvelle modalité d'indexation. Une prestation universelle de la compensation de la perte d'autonomie, quel que soit l'âge. La prise en charge par la solidarité nationale dans le cadre de la sécurité sociale. Donner le pouvoir au monde financier, comme le font les politiques d'aujourd'hui, c'est la mort de la démocratie. Ces pauvres retraités qui n'ont pas de moyens puissent avoir des salaires décents pour vivre quand ils n'ont plus rien, presque plus rien pour manger à la fin du mois, et bien au moins que ça change. Au moins... Non, on revendique les mutuelles et les mutuelles, ils peuvent nous imposer plus. Et on est de moins en moins remboursé sur les médicaments. Et puis des aides pour, hein, pour la PA et tout ça. Pour la perte d'autonomie, voilà. Aussi, on manifeste pour ça, pour qu'on nous donne des moyens pour pouvoir vieillir décemment. Une revalorisation des retraites. La prise en compte de la dépendance d'une façon beaucoup plus importante. La retraite, avoir un peu plus de sous. Et oui, et puis que j'en ai des soins, parce que moi j'en ai pas beaucoup. Ils sont maltraités. Ils sont très maltraités. D'accord. Et on nous fait perdre plus de. Je perds actuellement plus de 300 euros par mois par rapport aux décrets qui ont été supprimés de l'indexation sur la métallurgie par l'IA.